puisqu'on parle de la presse. Oui, j'en viens. Non, c'est pour aussi ressortir cet aspect hommage que nous, reconnaissance que nous, nous voulons vers lui. Donc, c'est une organisation, ce sont les journalistes qui l'organisent. Mais nous comptons bien entendu inviter le ministère de la Communication, la Haute Autorité de la Communication et tant d'autres structures ou entités étatiques. Mais là, c'est une ce sont les journalistes qui le font et donc c'est l'initiative. Une question, Yacine, allez-y. Non, elle a répondu à la première inquiétude. Si lors de cette cérémonie, on va parler de ceux qui sont des compagnons qui ne sont plus de ce monde. Mais apparemment, ils vont avoir un mot. Mais l'autre chose que je voulais savoir, c'est que vous voulez pérenniser cette activité-là. Prochainement, comment est-ce que le choix va se faire? Qui va décider des personnes qui seront reconnues? Les critères, disons. Très bien. Dans le comité d'organisation, nous avons déjà un sous-comité de rédaction de termes de référence ou de notes techniques, si vous voulez, où tout cela pourra être précisé. Mais je le précise que pour cette année, ça sera uniquement pour célébrer et rendre hommage à Diallo Souleymane. Il y a une particularité pour exactement, cette année. Exactement. Le prix sera décerné à partir certainement de l'an prochain, où il y aura toute une phase préparatoire d'organisation en vue de définir les critères